Donc, Mitziata d'Ishmaïa, on est Masechet Baba Mitziah, page Yutet. On est au milieu de la page, à Shichure Avadim, aux deux points au milieu de la page, Shichure Avadim. Ouais, vous avez. Très bien. Shichure Avadim, plus vers les deux tiers de la page. Shichure Avadim. Donc, si jamais j'ai trouvé, la Mishnah nous dit comme ça, si jamais on a trouvé un shtar, un contrat, où il y a marqué qu'une personne, elle libère son esclave. Alors, cette personne-là, on n'a pas le droit de lui rendre ni au propriétaire de l'esclave, ni à l'esclave lui-même, on n'a pas le droit de rendre ce shtar-là. Tanou Rabbanan, on a une baïta qui nous dit « Matza shtar shichur bashuk » Si jamais un homme il a trouvé un contrat comme ça de libération au marché, « Bizman sha'arav modé » Si jamais le maître, il reconnaît, « Yarzir » il rendra la éved à l'esclave et on lui rendra En Rav Modé, si le Rav il reconnaît pas, le Yazir elle ne rendra pas l'olazé, velolazé, ni à l'esclave, ni au maître. Enfin, ben, la Gemara elle pose la question et elle dit comme ça, Bizman, chez Rav Modé, Mia, Yazir, la Evel. Si jamais le maître il reconnaît, c'est sûr que c'est sûr qu'on rend à l'esclave, va Amai. Pourquoi il rendra? Nechouch, on n'a qu'à craindre que chez Makatav, peut-être qu'il a écrit, Velitenlo Benissan, il comptait lui donner en Nissan, Velonatanlo à Tishré, et il lui a donné seulement en Tishré, Vazal Avda, Vekana Nirsin, et l'esclave il a acheté des biens, Minissan Vea Tishré, entre les deux, entre le moment où il a écrit et le moment où il lui a donné, Vazilara Vazbinhu, Vezabeninhu, et le maître il est allé, et il a vendu les terrains, ou m'a piqué les chichour de Kataf Benissan et l'esclave, il va montrer le shtar comme quoi il a été libéré en Nissan, mais Katarif, la kouchot chez l'Okadine, et il pourra pas, il va enlever des mains de la kouchot, des acheteurs, ouais, il va leur mettre dans des mains, alors que c'est pas le din, pourquoi? Parce qu'il était encore esclave. Quand est-ce que l'esclave il est libéré? À partir du moment où il donne le shtar. Quand est-ce qu'il m'a donné le shtar en Tishré? Ah, c'est vrai qu'il a marqué Nissan. Entre Nissan et Tishré, il a été acheté des terrains. À qui ils appartiennent les terrains? Ils appartiennent au propriétaire ou au maître? Et si le maître les a vendus? Il les a vendus. Maintenant, si jamais il ramène son contrat, alors le contrat, il est antidaté. Et donc, il va pouvoir retirer les terrains des mains des acheteurs. Ah, Nihal et Mandé Amar, ça va bien d'après celui qui dit que. Srout ou la évêque chez Otse Mitachat Rabolé Cherout, c'est il a un srout, l'esclave qui sort de l'esclavage de son maître, il sort en liberté, ou qui est abayé, et c'est comme abayé de Amar qui dit Edav Bachatumav Zachine, au moment de la signature, les témoins qui sont là au moment de la signature du contrat. Et c'était à partir de Nissan, Shapir, et que quoi? Ça va bien, pourquoi? Parce qu'ils disent que la personne, elle a, les témoins, ils ont acquis au moment de la signature les choses qui appartiennent à l'esclave, hein? Enfin, ils ont acquis l'esclave, en tout cas, ils ont acquis la liberté d'esclave. Ou alors, ils ont acquis pour l'esclave, parce que l'esclave, c'est lui qui a acheté les terrains. Si c'est lui qui a acheté les terrains, alors les témoins, ils acquièrent pour l'esclave au moment de la signature. Et là, les mains de Amar, Chov, Ulevel, Cheyotse, Mitachat, Yadrabo, Lecherout. Et mais, d'après celui qui dit qu'il y a une Chova, hein, il y a une. Il perd un esclave qui sort de la main de son maître pour aller en liberté. Il perd, hein. Maïk a les mémoires. Donc, qu'est-ce qu'il va dire, hein, il va dire d'après ça? Il est perdant, hein. Dechi a télé Mitraf, la Gemara, elle répond, elle dit quand il va venir l'esclave pour faire sortir des acheteurs. Quand il va venir l'esclave pour faire sortir de l'acheteur, oui, il va vouloir faire sortir de l'acheteur les terrains. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On reprend le cas. Hein. Si jamais il y a un esclave qui a reçu son contrat de liberté en Tishré, le contrat il a été créé 6 mois plus tôt en Nissan. Entre temps, entre Nissan et Tishré, lui il a acheté des terrains. Et après. Donc ces terrains, a priori, ils appartiennent au maître de l'esclave. Le maître, il les a vendus, les terrains. Et après Tishré, l'esclave, il vient et dit, ah, tu vois, entre Nissan et Tishré, il m'appartenait ces terrains-là. Pourquoi tu les veux les vendre? Qu'est-ce qu'on fait avec cet esclave? Amrinanle, s'il veut faire sortir les terrains, on lui dit, Aïté Reaya et Matmata Shikhourlida. Emmène-moi une preuve que tu es vraiment sorti d'esclavage en Nissan et pas en Tishré. Parce que tu as envie de me faire sortir de... Tu veux me faire sortir
les terrains que j'ai achetés. Ouais, tu veux m'enlever les terrains que j'ai achetés. Bon, prouve-moi que tu as été libéré vraiment en Israël et pas en Tishrei. Et dans ce cas-là, il ne pourra pas leur faire sortir. La Mishnah, elle avait continué, elle dit, celui qui trouve un contrat qu'ils appellent Daitiki. Daitiki, on avait dit dans la Mishnah que ça s'appelait, que c'était un contrat de quelqu'un qui était Shriv Mera, quelqu'un qui était en train de mourir, hein, quelqu'un qui était en train d'agoniser. Il a dit, donnez à un tel mes biens, hein, donnez mes terrains à un tel. Il a trouvé ce contrat, ils l'ont écrit sur papier, et il a trouvé ce contrat. Est-ce qu'on va lui rendre, ou on va le rendre à quelqu'un? On a dit, on le verse, on ne donnera pas. Matana, et on avait dit aussi, s'il a trouvé un shtar matana, quelqu'un qui a écrit, voilà, je donne telle et telle chose à un tel, lui non plus, il ne le rendra pas. Ça, maintenant, on va expliquer ça dans la Gemara. Tanu Rabbanan. On a une braïta qui nous dit. Ezoï Daitiki. Qu'est-ce qui s'appelle Daitiki? Da'ate'e lemekam veliyot. C'est quoi Da'ate'e lemekam veliyot? Ça suffit qu'il soit lemekam, avoir un makom, un endroit, veliyot, et il est. Donc c'est quoi? C'est une tzava'a, un héritage, qui enfin une droit de succession, chez Imet, à condition que si jamais il meurt, Nechassav Leploni, qui donne ses biens à un tel. Ouais. Donc ça s'appelle un contrat de une tzava, une comment on dit, Mechila, un testament. Ouais. Quelqu'un qui a écrit un testament, alors, et que si jamais il va mourir, alors donner les biens à un tel. Alors, si jamais quelqu'un il trouve ce testament-là, il ne le rendra pas, il ne le donnera pas. Matana, c'est quoi une matana? Un contrat de cadeau. Kol shekatuv bo me'ayom ou le'achar mita, tant qu'il y a écrit, depuis aujourd'hui, jusqu'à ou le'achar mita, après la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il donne le terrain à un tel, mais il donnera, le terrain il lui donne maintenant, mais tous les fruits qui sortent du terrain, c'est-à-dire les locations, les locataires, ou alors, si jamais c'est un champ, les fruits qui sortent de ce champ, etc., ça lui appartient à lui. Alma, donc, et après la mort, tout lui appartiendra, et le terrain et les fruits. Alma, iktiva, mayom, ou la harmita, ou des katane. De la braïta, donc, on parle dans un cas, ou s'il a trouvé un contrat, où il a marqué que depuis maintenant jusqu'à la mort, ça lui appartient, mais il aura que les fruits, il les garde. Veilo, par contre, s'il n'a pas écrit comme ça, lokane, alors celui qui a reçu, il n'a pas acquis le terrain. Ouais. Amar Abaye, Abaye dit, Achikama. Comme ça, il faut lire dans la Braïta. Ezoï Matanat Bari. C'est quoi un cadeau de quelqu'un qui est Bari, qui est en bonne santé, qui est écrit sur un contrat? Chei Ke Matanat Shrivmea, qui est comme la Matana, un cadeau de quelqu'un qui est sur sa fin de vie, qui est en train d'agoniser, des Lokane, que de celui qui reçoit, il ne reçoit pas les fruits qu'ils lui ont donné, qu'il n'a pas acquis les fruits. Et là, le harmita seulement, après la mort, kol shekatuva me'ayom, ou le harmita, tant qu'il y a écrit, depuis aujourd'hui, jusqu'à après la mort. Donc, de la Mishnah, on a vu que ta'ama, il y a marqué, on est deux lignes avant la fin, yutet amud alef, ta'ama, la raison pour laquelle on ne rend pas, hein, si jamais on trouve un testament dans la rue, la raison pour laquelle on ne le rend pas, c'est quoi? De l'or amar tenu, parce qu'il n'a pas dit donner ce shtar-là à quelqu'un, ouais, à amar tenu. Si jamais il a dit donner ce shtar, tenu, ouais, notre nul, alors on le donnera, ouais, on le donnera parce qu'il a dit donner, ouais, et après on l'a trouvé dans la rue, alors ça veut dire que comme il a dit donner, on ne craint pas qu'il ne comptait pas le donner. Donc s'il a dit donnez-le, notre nul, on le rend à la personne. La Gemara, l'objet, il a dit un objet, matza. Daitikaot, il a trouvé des testaments. Apotikaot, des contrats aussi d'emprunteurs et de prêteurs. Ouais. Ou matanot, ou alors des contrats de cadeaux. Afalpish et Shneen Modim, même si les deux, ils avouent qu'ils sont d'accord, c'est-à-dire que lui il a prêté et lui il a donné, ouais. Lo yarzir, il ne rendra pas l'olazé de l'olazé, ni au prêteur, ni à l'emprunteur, ou alors ni à la personne qui compte recevoir le cadeau, ni la personne qui a donné le cadeau. Amar Rabbi Abba Bar Mamal. Rabbi Abba Bar Mamal, il a dit, la kashia, c'est pas une contradiction, c'est pas une kushia sur la Mishnah. Ouais, cette braïta, c'est pas une contradiction sur la Mishnah. Parce que la Mishnah, elle avait dit tenu. Seulement s'il a dit donner, alors on donnera. Ouais. Ah, tu vois bien que s'ils acceptent les deux, ils avouent. Alors on donne pas de la braïta. Donc a priori, c'est contre la Mishnah. La braïta, elle est contre la Mishnah.
Donc la Gemara elle dit ha bebari veha beshriv mera. Non, dans un cas, dans le cas de la braïta, alors on parle que la personne elle est en bonne santé. Alors dans ce cas-là, ni on donne à l'un, ni on donne à l'autre. Par contre, dans un shriv mera, hein, si jamais il a dit tenu, donnez, alors dans ce cas-là, on donnera matnitin de katane. Notre Mishnah, c'est elle qui a enseigné ha amar tenu. Si jamais on a dit donnez, notre nim, on lui rend le contrat. Ouais. Beshriv mera devar meada hu. Dans un cas, dans le cas d'un de quelqu'un qui est en train d'agoniser, alors et qui est encore vivant, alors c'est pour ça pourquoi on lui donne, parce qu'il est encore vivant, donc il peut décider à tout moment. Si quelqu'un qui est agonisant, il dit donner tous mes biens à un tel. Hein? Si jamais il dit ça, alors tant qu'il est vivant, il peut changer. S'il veut changer, il peut changer. Hein? Alors c'est pour ça que s'il est vivant et qu'on a trouvé encore le contrat et qu'il avoue qu'il comptait donner à quelqu'un, on lui donne. Pourquoi? Parce que même maintenant, il peut changer s'il veut, donc il peut décider de donner à un tel. Maintenant, ouais, des amrinan, parce que on va dire comme ça. Maïka les mêmes. Qu'est-ce que, de quoi on craint, hein? Dilma kadva meikara leha, et que peut-être qu'il a donné au début à Réhouven, il voulait dire donner à Réhouven. Vimlir veloya avaniala. Et il est revenu sur lui, et il a dit non, finalement, je ne veux pas donner à Réhouven. Vimlir, et, pardon, veada kadva leini shacharina. Et après, il a dit, on va donner à Shimon. Veaveniala, et le shta, le. Il a écrit un nouveau shtar pour donner à Shimon. Et après, il a été mitraret, et il ne voulait plus donner à Shimon. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Alors, il dit, redonner à Réhouven. Donc, dans un cas comme ça, si on parle que c'est un, il était en bonne santé, et alors, let l'epseda, il n'a pas de perte. Hein? Pourquoi? Parce que le deuxième, il ne perd rien. Parce qu'on reprend le marzion et d'achat. Si on donne le shtar au premier, il n'a rien à perdre le deuxième. Pourquoi? Parce que si la personne elle est en bonne santé, alors il ne peut pas revenir en arrière. Drinavka tarté, parce que si jamais, quand les deux shtarot ils vont au Bedin, si jamais le premier shtar et le deuxième shtar, celui qui a été où il y a marqué Rouven et celui qui a marqué Shimon, ils vont au Bedin avec, c'est qui reçoit le cadeau? C'est le deuxième, pourquoi? Parce qu'il est en bonne santé le type, il ne peut pas revenir en arrière. Il a écrit un contrat, il a donné à Shimon, il a écrit un contrat pour Réhouven, et il n'a pas donné. Ouais. Donc si jamais on a retrouvé le contrat de Réhouven dans la rue, alors, et on lui donne à Réhouven, Réhouven il va aller au Bedin, Shimon il va aller au Bedin avec son contrat, à qui ça va revenir? À Shimon, pourquoi? Parce qu'il est en bonne santé le type, ouais, il ne peut pas revenir en arrière. Batraïta Zaché, le deuxième il est Zoché. Parce que il est revenu sur le premier. Maintenant, si jamais c'est Matanat Shrivera, quelqu'un qui est agonisant, Nami Aranihala, là aussi le deuxième, quoi qu'il arrive, il n'est pas perdant. Pourquoi? Let Bab Seda, il n'a aucune perte. Pourquoi? De Batraïta Zaché, c'est le deuxième qui est Zoché. De Kaadarbe Mikamaita. Pourquoi? Parce que si jamais la personne elle veut revenir sur sa parole, tant qu'elle est vivante, même s'il a écrit des contrats, elle peut revenir sur sa parole. Hein? Peut revenir sur sa parole. Donc dans tous les cas, on peut le rendre. On n'a rien à perdre. Dans un cas où c'est quelqu'un qui est en train d'agoniser, on peut le rendre. Donc ce contrat, on peut le rendre. C'est pour ça que la Mishnah l'a dit. S'il a dit tenu, on peut leur donner, on peut le rendre. Ouais. Qui katame le braïta. Maintenant, quand on parle de la braïta qui a dit que dans tous les cas, on pouvait donner ni à la personne qui a donné, ni à la personne qui reçoit. Qui katame le braïta, afalpi, shneem modim, même si les deux, ils avouent, l'olazir, l'olazir et l'olazir. Il ne donnera ni à l'un ni à l'autre. Bébari, on parle de quoi? On parle que quand la personne elle est en bonne santé. De lav bar ma'adarhu, parce que il peut pas revenir sur sa parole. De amrinan, qu'est-ce que on va dire? Dilma kadva le'ay meikara. Peut-être qu'il a écrit un contrat au premier. On va l'appeler le premier Réhouven, comme dans notre cas. Vimlir velo ya'avale. Et il s'est rétracté et il lui a pas donné le contrat. Pardon. Il lui a pas donné le contrat. Veada, Kadva Leini Shacharina Veya Avale. Et après, il a écrit à une autre personne, il a écrit à Shimon, et il lui a donné. Ouais. Cette fois-ci. Donc il a écrit un premier contrat de Réhouven, il n'a pas donné. Il n'a pas voulu lui donner. Ouais. Finalement, il a regretté. Après, il a écrit un contrat à Shimon, et cette fois-ci, il lui a donné. Ouais. Donc qui c'est qui doit recevoir? C'est Shimon, a priori. Il ne peut pas revenir en arrière. Hashtag. Maintenant, il lui a donné au deuxième, il ne veut plus lui donner. Il ne veut plus lui donner. Mais ça va, et il a dit. Mais Adar, l'omatsna, Adar Nabi.
comme je ne peux pas revenir sur ma parole, et Marléou, je vais leur dire, Dana Léa Yavta, que j'ai donné au premier, le contrat en premier, hein? Les gens, ils ont trouvé le contrat de Réhouven. Qu'est-ce qu'il va dire? Je ne veux plus donner à Shimon maintenant. Il va se mettre d'accord avec Réhouven. Il a dit, tu sais quoi? J'ai pas envie de donner à Shimon. Viens, tu prends ce contrat-là, tu vas au Beit Din, tu dis que tu as trouvé, que c'est à toi, et on fait moitié-moitié. Hein? Dans un cas comme ça, hein, on a peur de ça. Donc, parce que pourquoi? Et il veut lui rendre le shtar. Et il y a le star de Reuven, comme il est écrit en premier, c'est Reuven qui va le prendre, Zafabehu, il va le récupérer. Et donc, alors qu'il ne devrait pas le récupérer, parce que c'est le deuxième qui devrait le récupérer, c'est Shimon. Et là, Amrinanle, et donc on lui dit quoi? Anan hay ketava, lo yavinanle le hay. Non, nous, on ne te donne pas le shtar. Dilma, mirtav katavt. Parce que peut-être que tu l'as écrit. Peut-être que tu l'as pas donné à Reuven. Et tu as écrit un autre contrat à quelqu'un d'autre. Et tu n'as pas voulu le donner à Shimon. Et finalement, tu as regretté de lui avoir donné à Shimon. Et si tu voulais le donner à quelqu'un d'autre, et tu veux toujours lui donner, ils ont trouvé le contrat de Reuven. Hein, dans la rue. Et Shimon, il n'a pas récupéré, il n'a pas réclamé. On ne sait pas, peut-être qu'il n'a pas donné à Shimon. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ce contrat-là? Est-ce qu'on va le rendre à Reuven ou même au propriétaire? Je dis non. Pourquoi? Parce que peut-être que tu l'as écrit et tu n'as pas voulu lui donner. Et après tu as écrit un deuxième et tu lui as donné. Ce deuxième, il ne s'est pas encore manifesté. Maintenant, peut-être qu'il va venir, peut-être qu'il ne va pas venir. Mais si tu lui dis que tu l'as donné à lui en premier, alors Shimon il va être pénalisé à cause de ça. Donc qu'est-ce que tu veux? Si tu veux vraiment, tu as voulu lui donner à Reuven et que tu lui avais déjà donné à Reuven, écris maintenant un nouveau contrat pour Reuven. Mais Manavchar, si jamais Shimon il va venir après, alors c'est à Shimon. S'il ne vient pas après, c'est à Reuven. Donc il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas le nom de Reuven dans le choix de Shimon. Non. Alors. Mais il y a la date en tout cas. Alors. Maintenant, si tu veux écrire un nouveau à Reuven, ouais. Il va avoir la date de maintenant, d'aujourd'hui. Et si Shimon il vient, il y avait la date de Shimon, à l'époque de Shimon. Et donc c'est lui qui sera prioritaire. Parce qu'il est barré, on parle de quelqu'un qui est barré en bonne santé. Ouais. Hein? Donc Shimon, il sera prioritaire. Okay. Mais par contre, si tu lui donnes le contrat où il avait marqué la date d'il y a 2 mois, que tu as retrouvé maintenant, alors Shimon, s'il vient après avec une date de 1 mois, Shimon, il va être perdant. Ouais. Donc on ne lui donne pas. Si tu veux écrire, lui dis, si tu veux vraiment le donner à Reuven, écris un nouveau contrat. Veka baïd de tadva lehaï. Et si vraiment tu veux encore le donner à Reuven, que tu voulais acheter, que tu avais à Savina, tu as qu'à lui écrire un nouveau contrat à la date d'aujourd'hui. Via Veniala et donne-lui. Parce que si jamais tu avais écrit un contrat à Shimon de Yahamoa, l'Ebbabseda, il n'a pas de pseda, il n'a pas de perte. Pourquoi? Parce que c'est daté de 1 mois, déjà. Des Kadim Zaché, et il a devancé, et il a été Zoché, déjà, avant Reuven, aujourd'hui. Matkif, le Rav Zevit, il objecte. Vea, Idi, Daiti Kahot, Katane. Mais dans les deux cas, hein, le Tana, il a parlé de Daiti Kahot. C'est quoi Daiti Kahot? On avait dit. C'était un. Parce qu'on avait dit, la Mishnah, on parle d'un bari. La Mishnah, on parle d'un Shriv Mera, d'un quelqu'un qui est agonisant. Et donc, il a écrit un testament. Ouais. Et dans la Braïta, on parle de quelqu'un qui est en bonne santé. Mais dans le contrat aussi, il y a marqué que. Dans la Braïta, il y a aussi marqué. Comment ça s'appelle? Il y a aussi marqué dans la Braïta le testament. Ouais. Donc peut-être que si on parle là-bas dans la Braïta de quelqu'un qui est en train d'agoniser. Hein? La Gemara, elle conclut, elle dit, et là, Marav Zevid, Aveha, Beshriv Mera. Et donc on est obligé de dire que et la Mishnah et la Braïta, elle parle de quelqu'un qui est agonisant. Ah, on revient à la question qu'on avait au début. C'est quoi? Comment tu peux me dire que dans la Mishnah, on peut lui rendre si jamais il a dit Tenu, donnez-lui. Et tandis que dans la Braïta, on a dit on ne le rend pas ni à lui ni à lui. Hein? Vela Kashia et la Gemara, elle dit, c'est pas une contradiction. Ha, B, Veha Bivre. 1, c'est à lui. Donc dans la Mishnah, on parle que on doit lui donner, on doit lui rendre à lui, lui-même, hein, à lui, celui qui est marqué sur le testament. Veha Bivre. Et là, on parle de son fils. Dans la Braïta, on parle que est-ce qu'on va donner à son fils. Matnitin, notre Mishnah, on va expliquer maintenant.
notre Mishnah, des cas à Martenou, quand on lui a dit donner, notre Nim Bédidé, on lui donne dans la main à lui, des barmes à Adamo, parce qu'il a le droit de revenir sur sa parole, pas la personne qui a écrit sur le testament, hein, la personne qui écrit, qui donne ses affaires. Hein, si jamais il est toujours vivant encore, hein, donc si jamais il veut changer d'avis, il peut changer d'avis, il n'y a pas de problème. Hein, donc s'il veut changer, on peut, donc c'est pour ça qu'on lui donne. D'Amrinan, on va dire quoi? Inami, Avalini, Shacharina. Si jamais il voulait donner à une autre personne, mettez pas Pseda, il n'y a pas de FZN, hein, il n'a rien perdu. Des Kama ou Batra, Batra Zaché. Quand il y a le premier et le deuxième, c'est le deuxième qui est gagnant. Des Ha, Darbe, Mikama. Parce que le deuxième, il est revenu sur ce qu'il a. Donc quand il a donné au deuxième, il a été Joserbo, il a annulé ce qu'il avait dit, ce qu'il avait donné au premier. Et donc c'est pour ça que l'Anpishna, elle parle dans un cas où il a dit Tenu, donnez. Hein, donner un deuxième parce qu'il est encore vivant et il peut changer d'avis. Kika tane babraïta. Par contre, quand on a enseigné la braïta, qu'on a dit ni on donne à lui, ni on donne à lui, donc ni on donne à la personne qui a écrit le testament, ni on donne à la personne qui doit recevoir le testament, hein, pourquoi on ne donne pas, hein, ouais, à Falpiche, et on parle de quelqu'un qui est en train d'agoniser. Hein, à Falpiche, Shnehem, même si les deux maudits, ils reconnaissent l'olazir, il ne lui rendra pas. Hein, l'olazir et l'olazir. Ni à la personne, ni qui a écrit, la personne qui a écrit le testament, ni à la personne qui reçoit le testament. Donc qui on parle? Bibré, le fils de la personne qui est morte. Hein? On parle d'une personne qui est morte qui a écrit ce testament. Il est mort, hein? Et on a trouvé le contrat, on a trouvé le testament. Et si les deux y reconnaissent, ni on donne au fils, ni on donne à la personne qui a écrit sur le testament. Pourquoi? De Amrinan, Dilma Katav Avua Lehai. Peut-être que le père, il a écrit à lui. Hein? On dit que le père il a écrit à Reuven, et le fils il dit oui, il a écrit à Reuven, en effet. Et il est revenu sur sa parole, le père, hein, et il n'a pas donné à Reuven. Ou Batar avoua, et après que le père il est mort, Katav Iou, lui le fils, il a écrit à Leini Shacharine. Le fils il a écrit à Shimon, hein, un cadeau. Il a écrit un shtar pour cadeau à Shimon. Donc on reprend le cas. C'est quoi hein, le cas? Peut-être, pourquoi on ne lui donne pas ni à lui ni à lui? Parce que peut-être que le père, avant de mourir, il a écrit un contrat pour donner à Reuven. Hein? Et finalement, il ne lui a pas donné le contrat à Reuven, le testament, il n'a pas donné à Reuven, il a été Joserbo. Il a dit non, mon fils quand même, ça ne se fait pas, hein, je vais lui donner à mon fils. Je fais quoi? Reuven, c'est quoi? Reuven, c'est un ami. Okay. Hein? Je vais donner à mon fils finalement. Il donne à son fils. Le fils, une fois que le père est mort, Shimon, il est venu, il s'est occupé de l'enterrement, il lui a fait les yeux doux, etc. Il a dit, tu sais quoi, pour te remercier, Shimon, il était encore sous le choc il lui a dit, pour te remercier, Shimon, voilà, je te donne le terrain antenne pour toi. Hein? Qui? Le fils. Le fils, pour remercier Shimon. Le fils de qui? Le fils du mort. Je crois que Shimon, c'était le fils du mort. Non, non. On a dit que Reuven, c'est l'ami. Reuven, c'est l'ami, et Shimon aussi, c'est l'ami du fils. Reuven, c'est l'ami du père, et Shimon, c'est l'ami du fils. Attends, Reuven, c'est l'ami. Il y a le père et le fils, ouais. Okay. Il y a Reuven et Shimon, aucun rapport. Okay. Très bien. Le père, il a écrit un contrat, un testament, un premier testament, sur son lit de mort, il a écrit un premier testament pour Reuven. Okay. Finalement, il a dit non, Reuven, je ne veux pas lui donner, je veux donner à mon fils. Ok, okay, okay. Très bien. Le père, il meurt, le fils, il veut remercier Shimon de s'être occupé de l'enterrement. Okay. Il dit, voilà, Shimon, je t'écris un shtar de cadeau pour te remercier de l'enterrement, voilà, je te fais cadeau le terrain, okay. Intel. Okay. Très bien. Maintenant, le fils, il a repris ses esprits, il regrette maintenant. Ah. Il a fait sous les sentiments, on va dire. Voilà, il a fait sous les sentiments, il regrette. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Mince, comment on va faire? Ah, j'ai une idée, je vais mettre le contrat, le testament, le premier testament à Réouven, et je vais m'arranger avec eux, on va faire moitié-moitié. Hein? Donc, pour pas qu'on arrive à ça, ni on donne à lui, ni on donne à lui. Si on trouve le testament de Réouven, on donne à lui, ni on donne à lui. Parce que pas de peur qu'on arrive à une situation où, qui s'est passé comme ça. Venez, viens, on reprend dans les mots. Dilma, peut-être, vas-tu là? Dilma, Katav avoua lehai, peut-être qu'il a donné le père à celui-là, à Reuven. Veimir, velo y aveni ale. Et finalement, il a regretté et il est revenu sur sa parole. Et il ne lui a pas donné à Reuven. Ou va t'avoua, et après que le père il soit mort, Katav yu, le fils il a écrit à Shimon, l'ini shacharina, Shimon, un autre, hein? Le fils, un shtar matana. Veya avale, et il lui a donné le shtar matana. Et après, il a repris ses esprits, il a dit quoi? Moi, je lui ai donné un terrain entier pour Shimon. Non, c'est pas possible. Je me suis fait avoir. Ça va, il a pensé. Mais Adar, l'omatina Adar Nabi.
Et je peux maintenant, comme je suis bari, moi, le fils il est bari, hein, moi, je peux pas revenir sur ma parole, j'ai pas le droit. Comment je vais faire? Et Marle où? Je vais aller au Bedin, je vais dire au Bedin que mon père, il a fait cadeau à Réhouven en premier. Venez-vous les Ketavé. Et quoi qu'il en soit, le Bedin, ils vont donner à Réhouven. Venez-il, venez à Picminé, et je vais aller et je vais partager avec Réhouven le terrain de Ouzaché qu'il a été Zoché. Veniflog Baadé, et je vais partager avec lui. Ilkar, Amrinané. Donc, qu'est-ce qu'on lui dit? Anan, Hai, Ketava, Velo. Anan, Hai, Ketava, Lo, Ketava, Lo, Yavinan, Le, Hai. Nous, qu'est-ce qu'ils vont dire le Bedin au fils? Nous, voilà, on ne te donne pas le shtar de Réhouven, de Dilma, Mirtav, Ketave, Avoa, parce que. Peut-être que ton père, c'est vrai qu'il a écrit, mais Avloya avait mais il ne lui a pas donné à Réhouven finalement. Viavte at leinie shacharina. Et toi, entre-temps, tu as donné à Shimon, tu as écrit un contrat à Shimon, mais ka adart be, et toi, tu es revenu sur ta parole. Et là, i kushta, ka amart de yavle avour. Si jamais vraiment tu penses que ton père, il a donné en testament le terrain à Réhouven, zil at ashta, va toi maintenant. Ketiv Leshtara Harina, écris-lui un autre contrat, maintenant, à Réhouven. Mets-toi de contrat de Matana, maintenant, à Réhouven. De Inami Loya Vale Havua. Parce que si ton père il lui avait vraiment donné, Uktavata Leinisha Harina, et que toi tu as écrit à un autre personne à Shimon, Letba Pseda, Shimon il n'est pas perdant. On fait la même chose qu'on avait dit tout à l'heure. L'autre il n'est pas perdant. Des Kama ou Batra, Kama Zaché, parce que si jamais Shimon il vient avec son contrat qui date d'il y a un mois, et Réhouven maintenant il vient avec un nouveau contrat qui date d'aujourd'hui, alors c'est Shimon qui est gagnant, parce que toi tu lui as donné à Shimon, et toi tu es Bari, donc ton père il rentre plus en jeu. Ouais non. C'est bon? Ouais, c'est bon. Très bien. Donc, Rav Zevi, on a une première explication qui était de. Parce que pour ne pas perdre le fil, Rabbi Abba Bar Baman, on se rappelle le fil, dans l'ordre. Il y avait la Mishnah qui disait que si jamais il a dit Tenu, le contrat, ils ont trouvé un testament, et la personne, elle était toujours vivante, on lui donne. On lui dit, tu sais quoi, on lui donne. Il y a une Braïta qui nous dit non, si on a trouvé un testament, on ne lui donne ni à l'un ni à l'autre. Première explication de Rabbi Abba Bar Baman. C'est dans la Mishnah, on parle de Shriv Mera, quelqu'un qui est agonisant. Et dans la Braïta, on parle de quelqu'un qui est en bonne santé. Ouais. Donc, ça, première explication. Deuxième explication, Rav Zevi, il n'est pas d'accord avec ça. Il dit non, dans les deux, et la Mishnah et la Braïta, on parle des deux de quelqu'un qui est agonisant, qui a écrit le testament. Alors, comment ça se fait que dans la Mishnah, on lui dit, s'il a dit t'es nous, on lui donne, mais dans la Braïta, on lui donne ni à l'un ni à l'autre. Hein? Réponse, parce que dans la Braïta, dans la Mishnah, on parle que l'agonisant, il est toujours vivant. Et donc, on lui donne à lui, parce que lui, il peut changer s'il veut d'avis. Ouais. Par contre, dans la Braïta, on donnera ni à l'un ni à l'autre. Pourquoi? Parce que c'est plus lui le plus vivant. C'est le fils qui est vivant. Et si c'est le fils qui est vivant, alors peut-être qu'il va faire une combine, et donc on ne veut pas rentrer dans le problème. S'il veut, il a qu'à écrire un nouveau contrat. Ça, c'est Rav Zevi. C'est là. Maintenant, on passe à la fin de la Mishnah. Hein. On est Yutet Amudbet au milieu des grandes lignes. Hein. Tamura Banan. On a une Braïta qui nous dit comme ça. Matzah Shova. Maintenant, ça c'était. C'était le cas de la Mishnah, c'est si jamais il a trouvé un chova, une kabbalah, un reçu, comme quoi une femme, elle a écrit un reçu à son mari, à son ex-mari, qu'elle a reçu sa ktouba, ou à toujours son mari. On avait dit que dans Masechet Ktouvot, ou Gitin, je ne me rappelle plus, on avait dit que si jamais une femme, elle voulait prendre une partie de sa ktouba alors qu'elle était encore mariée, elle avait le droit. Donc qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle a dit, elle écrit un contrat, un reçu, comme quoi elle a bien reçu sa ktouba. Ouais. Si jamais quelqu'un il trouve un reçu comme ça dans la rue, qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? On ne l'aime pas. Hein? On ne le rend pas. Tanou Rabbanan. On a une Braïta qui nous dit. Matzah Shova. Si jamais on a trouvé un reçu comme ça, où il y a marqué que la femme, elle a reçu la Kabbalah de son mari. Elle a reçu la Ktouba de son mari. Bisman Aisha Moda. Si jamais la femme, elle reconnaît Yarzir, la Baal, alors on donnera le reçu au mari. Hein? En Aïcha Moda, si jamais la femme elle ne reconnaît pas, hein, on ne lui donnera pas l'olazé, ni au mari, ni à la femme, hein, ni à l'homme, ni à la femme. La Gemara est l'objet, elle dit comme ça, Bisman, Aïcha Moda, Miat Yarzir, la Baal. Est-ce que, si jamais, on a enseigné dans la Braïta que quand la femme elle reconnaît, alors on rend au mari,
Velay rouge. On n'a qu'à craindre. On peut craindre quoi? Dilma, Kadva, Liten, Benissan. Velo Netana, Atishrei. Peut-être qu'elle a écrit la Kabbalah. Elle a écrit la Kabbalah en Nissan. Il a écrit la date de Nissan. À condition que le mari. Ouais. Velo Netana, pardon. Elle a écrit en Nissan. Elle croyait qu'elle allait recevoir la Ktuba en Nissan. Mais le mari, il a traîné, il fallait sortir de l'argent, etc., des banques, etc. Quand est-ce qu'elle lui a donné l'argent? Seulement en Tishrei. Hein? Donc 6 mois après. Ve'azla, Zabanta, Liktuba, Betovatanam, Nissan Ve'at Tishrei. Et maintenant, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été vendre la Tovatana de sa Ktuba à, entre Nissan et Tishrei. C'est quoi ce cas-là? C'est-à-dire qu'une femme, elle a le droit de vendre moins cher sa Ktuba. On va dire que dans la Ktuba, elle a marqué 200. Hein? Marqué 200 maktouba. La femme, elle va dire, tu sais quoi, j'ai besoin d'argent, mon mari ne veut pas me donner maktouba parce qu'il est en galère un peu, je vais aller vendre cette maktouba à quelqu'un. Bien sûr, il ne va pas l'acheter, il va pas l'acheter plein prix, hein, il ne va pas l'acheter 200, mais il va l'acheter, disons, moitié prix. Il lui dit, tu sais quoi, voilà, je te vends maktouba, si jamais il me divorce ou il meurt en premier, la maktouba est à toi. Et le type, il achète pour 100, quelque chose qui peut valoir 200 ou 0. C'est kitoudou, hein, kitoudou. Donc lui, elle va devoir recevoir son... Elle va recevoir sa Ktuba, mais avant de recevoir sa Ktuba, elle a vendu sa Tovatana, entre les deux, hein, entre les deux. On m'a piqué les chauvers, dirtif Benissan, et Bassov, il reçoit la Kabbalah, ça veut dire, on m'a piqué les chauvers, dirtif Benissan, il y a écrit dans la Kabbalah qu'il a reçu en Nissan, et elle a vendu après Nissan. Vatan et Mitraf la Kouchot, chez l'Okadine, et finalement, celui qui a acheté, il s'est fait rouler, hein, parce qu'elle n'a plus de Ktuba, celle-là, hein. Mais il y a marqué dans Nissan, mais en fait elle n'a pas vraiment reçu. Donc sa vente elle était valable. Hein. La vente ouais, à elle était valable. Mais qu'est-ce qui est marqué alors dans le joueur? Il y a marqué dans Tishrei. Il y a marqué Nissan dans la Nissan. Ouais. Mais en réalité, elle n'a reçu qu'en Tishrei. Donc elle n'a pas. Pourquoi un reçu de Nissan, hein? Qu'est-ce qu'il fait ce reçu de Nissan? Qu'est-ce qu'il nous dit ce reçu de Nissan? Que théoriquement elle a reçu en Tishrei. Elle a reçu en Nissan. Théoriquement. Elle a reçu en Nissan. Pourquoi il devrait avoir un chauveur en Nissan si elle n'a jamais reçu l'argent? Parce qu'elle s'est fait avoir. Elle pensait qu'elle allait recevoir en Nissan, mais elle a reçu qu'en Tishrei. Mais il n'aurait jamais donné un reçu qu'elle a reçu en Nissan. Elle a donné. Elle pensait qu'il lui a fait le virement, et le virement n'est jamais arrivé. Ils se sont arrangés dans les banques, etc. Machin. Ah, c'est elle qui a donné. Elle a donné un reçu. J'ai reçu ma Ktuba en Nissan. Elle a que reçu qu'en Tishrei. D'accord. Maintenant, entre Nissan et Tishrei, à qui elle appartient la Ktuba? À elle encore. Ouais. Parce qu'elle n'a rien reçu encore. Ouais. Maintenant, entre temps, elle a été la vendre cette Ktuba. C'était valable. Alors, vraiment, elle était là. Ouais. Mais maintenant, lui, le mari, après, la courante, ils veulent récupérer cette Ktuba. Le mari, il est mort, ou le mari, il a divorcé. Ils viennent récupérer la Ktuba. Montrez-moi la date de votre contrat entre vous. Hein? Ah, c'est après Nissan? Fait, c'est fichu. Ouais? Tu comprends? Amar Rava, donc Rava il répond. Ouais. Comment c'est possible de. La question elle est comment c'est possible qu'on permette de. On lui rende le. Comment c'est possible qu'on lui rende? Hein? Comment c'est possible qu'on lui rende? On ne devait pas lui rendre. Shema Mina, la Gemara, on n'est pas Kafamoudalev. Shema Mina, Ita de Shmuel. Shema Mina, donc on comprend de là que on pense oui comme Shmuel. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Il a marché Shmuel, à Mocher Shtar Chov. Celui qui vend un Shtar Chov. Voilà, Reuven, il doit à Shimon 100 shekels. Shimon, Reuven, il doit à Shimon 100 shekels. Ils ont écrit un contrat. Hein? Mm-hmm. Maintenant, Shimon, il a besoin d'argent. Il dit, tu sais quoi, je te le vends à 90 shekels, débrouille-toi avec Reuven. Hein? Je te vends le contrat à 90 shekels, je te débrouille avec Reuven. Ok. Entre temps, il lui a donné, il a récupéré les 90 shekels, etc. Après, Shimon, il était voir Reuven, il lui dit, tu sais quoi? Machoulecha, tu me dois plus rien. Il n'a pas encore été l'autre, il n'a pas été encore chercher chez Reuven. Non. Qu'est-ce qui se passe? Le troisième, il s'est fait avoir, d'après Shmuel, et il lui a pardonné. Machoul, il est pardonné, il n'a plus rien. La filo yoresh mochel. Et même si c'est un héritier, l'héritier de Shimon, il veut être mochel à Reuven, il peut. Le troisième, il s'est fait avoir. Ouais. Et donc, pareil dans le calme de la Ktuba. La femme, elle a vendu sa Ktuba. Et finalement, après, elle est mochelle avec la Ktuba à son mari. Elle lui dit, c'est quoi? Mon mari, je t'aime tellement, je sais que je ne vais jamais me divorcer. Je ne sais pas comment... Voilà, je déchire la Ktuba.
Ça marche ou ça marche pas? Ça marche d'après Shmuel. Et donc, si ça marche d'après Shmuel, quand elle a fait son, cette combine-là, alors ceux qui ont acheté la Ktouba à cette femme-là, comme la Ktouba c'est comme un shtar, si on pense comme Shmuel, alors ça marche. Hein? On peut lui rendre. Hein? Très bien. Abaye Ama, Abaye nous dit, Afilou Tema, l'été de l'idée Shmuel. Même si tu ne me dis pas comme Shmuel. Acha Bema Yaskinan, ici de quoi on parle? Bishtar Ktouba, Yotse Mitachat Yada. On parle dans un contrat de Ktouba qui sort de sa main à elle. Quand sa main, elle vient avec la Ktouba, quand cette femme-là, elle vient avec cette Ktouba dans sa main, elle vient au Bedin. Donc tant qu'elle est dans sa main, ça veut dire qu'elle n'a pas vendu à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que si jamais elle avait vendu à quelqu'un d'autre, elle n'aurait pas été dans sa main. Donc si jamais cette femme-là, elle vient avec cette Ktouba dans la main, on peut, et qu'elle reconnaît, on peut donner la Kabbalah au mari. Puisqu'on ne craint pas qu'il y ait une troisième personne à qui elle a vendu la Ktouba. Parce que sinon, elle aurait été dans la Ktouba, elle aurait été dans la main de la troisième personne. Ouais? C'est bon? Très bien. Ktouba yotse mitachatiana. Verava amar, et Rava il dit, I mishum shtar ktouba, chayshina yishte ktoubon. Ah, Rava il n'est pas d'accord. Il dit, Rava il explique différemment. Il dit, si jamais on ne la croit pas, mishum shtar ktouba, à cause de la ktouba qui vient dans sa main, chayshina yishte ktouba, ça veut dire qu'on craint qu'elle ait deux ktoubot cette femme-là. Une d'aujourd'hui, datée d'aujourd'hui, et une d'après. Ils ont changé la ktouba. Comme la ktouba c'est un contrat, on peut changer les termes de contrat. Hein? Alors dans ce cas-là, ça veut dire, on craint qu'il y ait deux ktoubot. Va bayama, va bayedi, chada alishte ktoubot, lo chayshinan. Premièrement, ouais, première réponse, deux ktoubot, on craint pas. On craint pas qu'une femme ait deux ktoubot. C'est pas courant, donc on craint pas ça. Véron, et encore, shover bismano tarif. Une kabbala, ouais, bismano tarif. C'est quoi? Ici, je te lis ce qui est marqué, qui afim tomar, sheloba, shover, le yadabal, et la bétichere, même si tu me dis que la kabbala, elle est arrivée dans les mains du mari seulement en tishré, quoi qu'il en soit, Mikol Makom, Uzoche Aliado Likbot Bo Mina Lekuchot Le Mafrea Le Minat Arich Akatuv Bo Aynu Mikhodesh Nissan. C'est-à-dire que la Kabbalah, le reçu, il est effectif à la date qui est marquée sur le reçu. Peu importe quand la femme elle a reçu l'argent, le Meshalema, on regarde la date où il est marqué sur le reçu. C'est ça qui détermine, c'est pas le reste. Et donc, même si elle a reçu la Ktouba, même si elle a reçu la Ktouba en Tishré, alors ce qui est fixe, c'est le moment où elle a écrit la Kabbalah. Alors dans nos cas là, on va voir, ouais, exactement. Abaye le Tamé, Damar Edav Bachatouma, Zachino. Ça c'est d'après Amar, hein, mais d'après Abaye qui nous dit que les témoins, c'est eux qui sont zochés, les témoins au moment de la signature, hein, qui signent sur le shtar, hein. Du chauvin. Quelle signature? Non, les témoins de la signature sur le contrat qu'il y a entre la femme et les personnes à qui elle a vendu sa ktouba. Aïnou Sheim Nimsa, je te lis ce qui est marqué. Aïdim, Achatumim Ashtar, les témoins qui sont écrits sur le contrat. Zachim Bechatimatam, les Misha Ashtar Nirtav Avuro, Bechol Zhut Ayotse Lo, Min Ashtar, Aïnou Sheim Nimsa Ashtar. Les Bassof, les Michéou, Nirtav Avouro, Aré, Ouzoche, Bechol Asruyot, Aktuvot Bo, les Mafrea, Mishat, Achatimat, Aïdim, Alav, Ve'af, Achovar, Ken, et pareil pour le contrat, pareil pour la Kabbalah, tu as raison, hein, même pour la Kabbalah. La Kabbalah, si les témoins ils ont signé sur la Kabbalah en Nissan, alors en Nissan, ça y est, c'est fini. Donc c'est vraiment en Nissan, même si l'argent, on lui donne tout en Tishré. Voilà. Baruch Adonai, Yoram, Amen, Ve'amen, on est arrivé à la Mishnah, Baruch Hashem.